Bonjour, cette semaine je suis à la formation Claude Monet avec Rémi. Bonjour. Et Rémi, il est jardinier de ce sublime jardin fait par Claude. Bon alors Rémi, moi ce qui m'étonne, c'est les couleurs qu'il peut y avoir ici. Et puis surtout, il y a plusieurs endroits finalement. On dit il y a le jardin de Claude Monet, mais c'est pas que le jardin de Claude Monet. Vous avez le bassin qui est plutôt d'inspiration anglo-japonaise. Et du temps de Monet, effectivement, il n'y avait pas autant de couleurs autour du bassin. Ça, c'est un compromis qu'on a fait pour les touristes. Et ensuite, vous avez ce clos normand avec... Donc là, on est dans le clos normand. Nous, là, pour l'instant, on est dans le clos normand. Et dans ce clos normand, comporte une bonne soixantaine de grands massifs, une petite quarantaine de petits massifs, qui sont tous monochromes ou bichromes. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des tulipes qui vont bientôt faner. Donc ça, vous allez enlever tous les bulbes? Alors, vous récupérez les bulbes? Comment ça se passe? Alors, il y a déjà ces remplaçants. On aperçoit des camassias bleus. Oui, Et puis, de place en place, il y a des alliums, et des irémirus. Les irémirus, ce sont les plantes hautes. Ça, c'est le irémirus himalaïcus. Et donc là, alors évidemment, quand il est arrivé ici, il a tout coupé. Il a gardé quelques arbres. J'imagine que ça, c'est les arbres qui étaient là à son époque. C'est fait en plusieurs temps, évidemment, parce qu'il a vécu 43 ans ici. La moitié de sa vie? Oui, la moitié de sa vie, exactement. Ah d'accord. Exactement la moitié de sa vie. Au départ, le clos normand était prévu pour des fleurs à couper et pour peindre des natures mortes à l'abri en hiver. Et donc, il y avait cette allée qui nous permettra d'aller au bassin de Nymphéa. Parce qu'avant, on pouvait traverser comme ça? Bien sûr, c'était une voie de chemin de fer et un chemin, le chemin du roi. Ça s'appelle toujours le chemin du roi. D'accord. Quand Monet se plaçait à l'entrée de sa maison, en ouvrant les deux portes, il pouvait presque voir jusqu'au fond de la prairie. Derrière. C'est quoi? C'est un hêtre ou c'est un chêne là-bas? Alors là-bas, c'est un hêtre pourpre. C'est un hêtre pourpre. Qui n'a pas encore... Non, qui n'a pas de feuilles du tout. Voilà, qui n'a pas encore débourré. Ouais. Donc il y avait aussi ce sens de la perspective, Claude Monet. Et c'est lui qui a fait fabriquer donc ces arceaux. Ces arceaux. Métalliques. Alors les arceaux au départ étaient en bambou. Et puis avec la mode de Eiffel, la tour Eiffel, exposition universelle, etc. Il y avait une... Ah oui, la grande mode du métal. Le grand mode du métal, c'était aussi un novateur au jardin. Pour amener du support métallique au jardin, c'était assez original pour l'époque. Ouais. Du temps de Monet, il y a des plantes qui étaient à la mode, qui le sont toujours, et d'autres pas. Par exemple Les renoncules, c'est les calceolaires. C'est moins apprécié, j'ai l'impression. Et on parlait à l'instant des fritillaires impérialistes. Oui. Ça, par contre, c'est extrêmement apprécié. À l'époque? Non, en ce moment. Mais en revanche, il n'y avait pas de légumes. Alors, si, il avait un carré de légumes, mais qu'on n'a pas reproduit. D'accord. Il avait un énorme poulailler. Combien ça fait d'hectares? C'est un bon hectare. Ouais. Le tout fait un peu plus d'un hectare 6. Enfin, en tout cas, c'est très moderne, c'est très beau. Et maintenant, je te propose, c'est qu'on aille voir le bassin, non? Parce que ça, c'est quand même... Enfin, tu parles de Monet à un Américain, c'est... Hein, non? Ah oui, c'est du Nymphéa. Bon, alors, la chance qu'on a ici, c'est ce que tu me disais, c'est qu'il y a une photo de Claude Monet avec Clémenceau sur ce banc. Ah, complètement, oui. C'est génial. Enfin, c'est génial. Il était où, Claude Monet? Tu sais pas? Ce côté-là, je me souviens plus. Bon, on regardera, parce que j'aimerais bien qu'on la retrouve. Ils étaient moins grands que. Beaucoup moins grands que toi. Oui, oui, c'est vrai, un petit peu. Clémenceau, j'ai l'impression qu'il était grand, mais bon, je sais pas. Alors là, donc, on est devant le bassin des Nymphéas, ultra célèbre. Et ce bassin, en fait, je crois qu'il a, il est faux. Il a été créé par Monet. Ah, il est complètement artificiel. C'est ça. Et il a fallu des années de démarches administratives pour obtenir l'accord des autorités. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a détourné une rivière, c'est ça? Un petit ruisseau? La rivière de l'Epte, qui, c'est plus à l'est. D'accord. Qui passe à quelques centaines de mètres. D'accord. Et il a fait une dérivation. Il a fait une dérivation. Et qui alimente le bassin. Cette dérivation se perd, rejoint la Seine. Ça, c'est génial. C'est vachement bien. Super. C'est drôle. Spécifiquement, moi, il y a une chose que je ne connais pas, c'est comment on plante les Nymphéas. Alors, il faut de l'eau. Oui, tout à fait. Voilà.
il faut de la lumière, il faut que le bassin soit suffisamment grand avec une pompe pour filtrer. Le nénuphar, il doit être planté à 80 cm de la surface de l'eau. 80 cm. Oui, 80 cm minimum. Ah oui, pour éviter que la plante ne gèle. Ce qui est rigolo, c'est que tu peux très bien planter un nénuphar dans un pot de 80 cm comme ça, et large comme ça. Ça fera une fleur au moins. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Oui. Le feuillage va bientôt démarrer, d'ailleurs il a démarré à certains endroits. Et puis la floraison s'effectue à partir de juin, ça dépend des variétés, ça dépend surtout de la température de l'eau et de la luminosité. Eh oui, évidemment. Bon ben écoute, merci pour tout. Donc là on était dans les jardins et dans la fondation Claude Monet. Toi tu es jardinier et tu t'y connais pas mal. Donc en tout cas, merci de m'avoir reçu, de m'avoir expliqué tout ça. Et c'est évident que je reviendrai. Salut. Salut.